this might be a little too real, but how do I tell my mother that even though I'm 20 years old, I've been working since I was 14, and I know I had to work. I've always had to work for the things that I want. I never got anything handed to me, but I'm 20 years old. I don't want to work anymore. I don't want to do this shit. I'm putting deodorant on because I'm sweating because I just walked up the stairs because I don't be doing any type of physical exercise. So, like, I just been laying in my house for, like, a week. I got fired from my job because I don't want to go. I don't want to show up. I'm yelling in silence because I can't yell. Because if I yell in my house, I get my ass break. So that's why I can't tell my mama that I don't want to work. Because you got to. You got to get up and go to work, girl. You're 20 years old. You got to go to work. You got to go to school. You got to do everything. I don't want to do that anymore. I don't want to do that anymore. And everybody I tell, they're like, just go apply for more. Shut up. I don't want to work anymore. Tu vois les retombées maintenant, Géraldine? Tu vois les retombées? C'est sûr que bon, c'était difficile à voir. Sous le papier, ça avait l'air sexy, c'est sûr. Après, c'était un truc nouveau. Bon, c'était difficile de voir en avance comment ça allait se passer. Hein, mais tu vois maintenant? Allez, sois forte. On est avec toi. Hein, forte et indépendante. On n'a pas besoin d'eux. I have a question for them old heads. Who the f*** told y'all to go fight for rights to work? Then y'all want to tell us how men's supposed to provide. Shut the f*** up. Y'all done got up on that f***ing stand and fought for us. I hate working. Nobody told y'all to do that. Y'all did too much to prove that y'all that girl. I come to the realization that I just don't want to work anymore. Like, it doesn't matter the job, the career path, the location. I just don't want to work anymore. Whoever fought for women to get jobs. Why? Why did we do that? I am so tired. I want to just put my feet up. Like, I am... Oh my God. Imagine, depuis le début de l'humanité, t'es là, t'es bien, tu travailles pas, t'es à la maison, tu t'occupes de tes enfants. Et après, y a des meufs comme ça, elles se réunissent, elles disent « Moi, ça m'énerve !» On dit « Qu'est-ce qui se passe, Géraldine? Pourquoi t'es énervée ?»« Comment ça, nous, on travaille pas ? Comment ça ? Ils se prennent pour qui, en fait, eux, là ? Ils pensent qu'on est bonne qu'à rester à la maison ? Non, 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 ça va pas se passer comme ça, hein. Nous, on va travailler, ok ? On va être comme eux, on va faire comme eux, on va agir comme des hommes. Ça, c'est mieux, ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison ! Pour qui ils nous prennent ? Ils pensent qu'on est juste bon à s'occuper de notre famille, de nos enfants, de notre mari, hein? C'est ça qu'ils pensent, hein? Non, nous on préfère aller dans le froid, travailler dur, hein? Aller dans la compétition contre les autres. Et puis après qu'on arrive dans la compétition, on dit non, on n'aime pas trop ça. Je veux que tu me prennes juste parce que je suis une femme. Voilà. En plus, elles ont réussi en plus. Ça qui est fort. Donc là, elle arrive dans des situations cocasses, hein, où tu arrives à l'armée, hein, où le standard, normalement, on va dire que quand j'étais chez les pompiers de Paris, je crois que c'était 10 tractions minimum. Bon, mais pour les filles, c'est un peu moins. Je sais plus c'est combien. Voilà, c'est un peu moins. Voilà. Donc, comme ça, on affaiblit notre armée parce que faut faire plaisir aux femmes, tu vois. Faut que tout le monde puisse y accéder. Et après, elle commence à développer des concepts. Ouais, comment ça se fait qu'on est moins bien payé, etc. Peut-être parce que t'as négocié moins. De toute façon, on sait que c'est à l'heure, ça. Hein. Ça a déjà été démonté, débunké 50 000 fois. Non, les hommes et les femmes sont payés de la même... pareil. Et je te dirais même que les femmes ont plus de chances d'être embauchées. Si t'es une femme et que t'as les mêmes compétences, à compétences égales à un homme, je pense qu'on préfère prendre une femme qu'un homme. Après, tu me diras, ça dépend, mais bon. So I feel like now that women have proven that we can work and be just as successful as men, I think we should go back to where women don't have to work, because I don't want to. I don't want to work anymore, because I'm working every day very hard, and I never had money. So everything is expensive, mother. So I don't know. I don't know a la chingada porque I never have money in my wallet, a la verga, so I don't know. Only love can hurt like this.
what's going on? I can never understand what's going on. Support my lifestyle, your lifestyle, a family's lifestyle, and give me a better lifestyle than what I can support on but my own. But the thing own. Is, what you're... And do it on your own salary. It's a piece of paper. It's bragging rights. It's bragging rights at the end of the day. How many women have degrees and don't want to work? Right. Et tu vois, il y a beaucoup plus de femmes comme ça que l'on le pense. Mm-hmm. Elles disent rien. Hein? Elles disent chut. Moi, des fois, quand je fais des vidéos, là, des TikTok, ou sur Instagram, là, où les filles, elles s'énervent. N'importe quoi. Je vois plein de meufs qui me follow. Elles disent rien. Chut. Tu vois, elles les entendent crier. Ouais, t'as raison, tout ça. Oh là là là. Après, d'ailleurs, elles font non. Non, non, jamais. Moi, jamais. Hein. Ça me rappelle quand j'étais dans un date. Tu sais, j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais, je datais une féministe. Donc, j'ai daté une féministe. Elle avait écrit féminista dans son dos. Donc là, je veux dire, il n'y a pas de secret. Tu peux pas être surpris en tout cas. Je veux dire, même dans l'intimité, elle te rappelle. Genre là, faut pas oublier. Donc du coup, donc je la date et tout. Et je savais pas qu'elle était féministe à la base. Donc je vois féminista, elle me dit ouais, je suis tatouée, elle me montre, nanani. Bon, j'ai dit ça. Ok, je comprends que tu es féministe, mais de là à te tatouer, c'est que vraiment toi, tu dois vraiment être vraiment dans le féminisme. Hein. Et je sais plus pourquoi. Alors normalement, je fais pas ça. Les débats que je fais là avec vous, les gars. Je fais jamais ça en date. En date, je dis rien normalement. Mais elle m'a trop chauffé. Alors au début, elle a commencé avec des petits trucs. Des trucs, je sais plus quoi. Mais à un moment, elle est arrivée sur le truc de « Ouais, les femmes, elles sont moins bien payées. » Je pouvais plus. J'étais là, je me contenais. Ah, c'est pas grave. Après, boum, j'ai commencé à dire « Ouais, où sont les chiffres, madame ? Où sont les chiffres, madame ?» Hein ? Ça a été débanqué 50 000 fois. Et voilà, c'était trop tard. Hein, voilà. Et après, à un moment donné, je sais plus pourquoi, mais je demande à la serveuse, toi, t'es féministe, toi? Ah non, jamais de la vie. Elle m'a dit, non, moi, je suis pas une féministe. Hein, non. Et du coup, en plus, ça n'a même pas tué le date, parce que finalement, elle était plus en mode, ouais, mais pourquoi t'aimes pas les féministes? Je mets des talons. Et finalement, ça n'a pas forcément posé de problème. Voilà, je pense qu'elle a dit, allez, au diable féminisme. Hein, mais ouais, sur le coup, ça n'a pas posé de problème, il ne faut surtout pas faire ça. Les débats comme ça, les gars, ça c'est entre nous, ou pour l'entertainment, sur les vidéos, mais va pas faire ça en date ou parler avec une meuf, ça sert à rien. N'oublie jamais, elle réagit, elle résonne avec ses émotions. Même si tu dis un truc vrai, elle va toujours te dire, ouais, mais j'ai pas aimé la manière dont tu l'as dit. Tu vas perdre ton temps. Après, tu fais ce que tu veux. We live in a world where society has managed to brainwash women into thinking that they can now become men. Since they can have a higher income, provide for themselves, pay their own bills, buy their own flowers, they've become delusional enough to think that they can become men or that they are men. To the point that they show no respect to men whatsoever. They're out there being promiscuous. Anything for the moolah. They are so busy trying to match a man's masculinity that they are unable to stay in their femininity. Make it make sense. And just to let you know, we don't need y'all. We want y'all, but we don't need y'all. You know you can't afford to go out, right? You know you can't afford to buy any designer clothes. You know you cannot afford to go to anything but great clubs. You know you cannot afford to go out to eat at all, right? To be very clear, not a single time. I'm speechless. Do you know you cannot afford that, though? I get my lot. I feel like it saves me so much time, though, so I can work on my business. Work on your business. How many hours a day are you working? It depends. And now I'm doing more things now. Give me average. An average? How many days, what hours a day are you working? 5. Then you don't have time. That's stupid. That's the stupidest thing I've ever heard. I'm sorry, I'm digging into you, but that's dumb. Mm. That's dumb, and you need to know that's dumb. That's why I'm being rough. Mm. 5 hours a day? Oh, poor me, I'm working 5 hours a day and I can't cook. What do you mean it saves you time? Mm. To all the people who are like, she doesn't want to work, she wants to marry rich and like have a fantastic life. Oh my god, she must be so lazy. She must like not be very bright, like she's just not very capable, you know? Let me tell you, I went to Berkeley. And I got my master's at USC. I'm extremely, extremely overeducated. And you know what I did with that
overly educated brain of mine, I figured out the smartest thing I could do. The most efficient usage of my time, my energy, my resources for the most optimal path. I used that big, juicy brain of mine, this brain that has been used in an advertising career, a career in tech, international business consulting. I've done it all. I've worked with Heineken, I've worked for Samsung, I've worked for Unilever, I've done things for H&M. And you know, I finally used this big, extremely competent brain and I really figured it out. And the smartest thing that a woman can do is marry rich so she doesn't have to work. Sis, we simply just don't make as much and we simply don't have the testosterone. So we burn out way, way faster and everything takes a much more intense toll on us. So ladies, honestly, while you still have your youth, your looks, your energy, the best ROI for you is to marry a provider. It's to date high-value men. Let them go to work for you. Your job is to enjoy your life. You have so many creative passions. You have so many hobbies. You have so many things you want to be doing. So many things you need to buy. You don't have time for a job. At least not a 9-to-5 job, slaving behind a desk. Mm-mm-mm. Not for us, sis. Et là, on parle seulement de être salarié. Parce que des fois, j'entends, oui, pourquoi il n'y a pas plus de femmes entrepreneurs? Mais gars, t'as vu comment c'est chaud d'être entrepreneur, gars? T'as vu comment tu dois charbonner des heures et des heures tous les jours, constamment? C'est la guerre tous les jours. Tous les jours, des heures et des heures, surtout les premières années. Mais tu travailles toute la journée. Enfin, je sais pas, c'est des 7, 8, 9, 10 heures. Donc déjà, en tant qu'homme, c'est difficile. Et pourquoi je fais la différence? J'y arrive, Géraldine, calme-toi. Pourquoi je fais la différence? C'est parce que en tant qu'homme, notre valeur, elle est basée sur ce que l'on accomplit. En tant qu'homme, notre valeur, elle est basée sur ce qu'on accomplit. Donc nous, on n'a pas vraiment le choix, on doit performer. Sinon, vous n'allez pas nous calculer. Ok? Surtout de nos jours, les femmes, elles sont attirées par les 20%. Donc si jamais t'es pas un gars déter, t'es pas un gars ambitieux, elle va pas te calculer la meuf. En tout cas, t'auras beaucoup moins de choix. Donc nous, on n'a pas le choix. Mais les femmes, leur valeur, elle est pas basée sur si elles font beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? La priorité, c'est jamais elle est féminine. Enfin, les femmes, elles savent que, surtout les belles femmes, plus elles sont belles, plus elles le savent, elles savent qu'il y aura toujours un gars qui va venir les sauver, au pire des cas. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu fais les choses juste parce que tu peux les faire et tu n'as pas vraiment d'obligation de les faire, bah, tu te poses des questions au premier challenge. Hein. Tu te dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler autant alors que j'ai pas forcément besoin en fait? C'est pas forcément obligatoire. Ou juste prendre un job normal, voilà, tranquille, comme elle disait l'autre, hein, où tu dors derrière le PC. Pourquoi me prendre la tête? Alors que je peux trouver un gars qui va prendre soin de moi ou en tout cas qui aura un salaire plus élevé ou à deux, on va s'organiser, etc. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a certaines femmes qui ne se rendent même pas compte comment c'est difficile. Surtout quand j'entends des meufs qui disent « Ouais, moi, je date que les gars qui font au moins 100 000 euros par an. » Mais je me dis, en fait, elles ne se rendent pas compte. Peut-être qu'elles pensent que quand tu es un businessman, l'argent, c'est aussi facile que quand tu ouvres un compte OnlyFans ou « Tiens, ça me rappelle une histoire. » J'ai dit bah, « Frais !» En plus, ouais, c'est en direct, c'est cadeau. Hier, j'ai daté une meuf, tout ça. Elle me dit « Bon, webcam. » Elle fait webcam. Ok, bon, ok, elle fait webcam. Et puis durant la conversation, elle me dit « Ouais, les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est chaud. C'est pas juste t'es là et c'est de l'argent qui tombe facilement. Il y a du marketing. » J'ai dit « Oh, du marketing, mais genre, t'es sur un site qui est déjà connu, donc le trafic, il est déjà là, en fait. » Tu vois, je veux dire, c'est comme si tu ouvres une, je sais pas, tu utilises Amazon. Tu poses ton produit, t'as déjà le trafic qui arrive. Bon, après, elle me dit « Ouais, non, mais tout ça, il y a des techniques, et puis c'est pas juste tu te poses comme ça, il faut rester comme ça pendant des heures. Tu es là, tu souris, tout ça, tu utilises des objets, hein, comme quoi, tu utilises des objets, tout ça, et tu restes là pendant des heures. Les gens se rendent pas compte, c'est pas. Et là, tu vois, dans ma tête, je me suis dit vraiment, tu vois, elles se rendent pas compte, c'est ben, ouvre un business normal, tu vas voir ce que ça dit. Parce que je crois que tu te rends pas compte en fait. Je crois que tu te rends pas compte. Je me suis juste dit, mais en fait, même quand c'est un truc facile, c'est dur, quoi. Alors, je dis pas que c'est... Heureusement qu'il y a un petit peu de travail, tu vois, c'est normal, tu vois. Enfin, heureusement, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, c'est normal que tu aies un peu de travail, chérie. Enfin, l'argent, c'est pas gratuit, hein. Mais je peux te dire que comparé à d'autres business par rapport à l'argent que tu génères, tu travailles beaucoup moins. Alors, évidemment, je lui ai pas dit ça, les gars. Moi, je lui ai dit, ah ouais, j'avoue,
Ah, c'est dur. Les gens savent. Les gens se rendent pas compte. Hein. Ce sont vraiment. C'est ouf. Ah, des heures. Et genre, t'es toujours de sourire. Ah ouais, non, c'est pas facile. Toujours à devoir sourire des heures et des heures. Pff, ah, j'avoue, t'es là, tu dois taper, écrire des trucs. Oui, ça va. Pff, j'avoue, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment, ça doit être très difficile. Hein. Voilà. Hein. Obligé, les gars. Hein. Faut pas être stupide. Donc, du coup, j'ai noté quelques commentaires que j'ai vus sous la vidéo. Un gars qui a dit « You can't protect them from themselves. They are truly a slave of their irrational emotions. » C'est-à-dire, tu peux pas les protéger d'elles-mêmes. Elles sont complètement esclaves de leurs décisions irrationnelles, émotionnelles plutôt. Ouais, c'est ça. Ah, tu peux pas... Oui, hein, mon gars. Un autre gars a dit « Ma mère, elle est restée, était une femme au foyer. Elle travaillait aussi dur que mon père. Et elle a élevé 6 enfants. Et elle nettoyait, elle faisait à manger. » Et il dit qu'aujourd'hui, les femmes modernes... entitlement, je sais pas comment traduire ça, mais... Ce que tu penses que tu mérites, ce que tu penses que... Je sais pas comment... Tiens, tu mets-moi en commentaire comment traduire ça, mais en gros, ça veut dire... ce que tu penses que tu as droit quoi, dans la vie. Quoi. Que les femmes, la manière dont les femmes pensent aujourd'hui, où genre, elles sont supposées rester à la maison, rien faire, et être complètement inutiles, et totalement fou dans sa tête. Quoi. Il ne comprend pas. Et il a complètement raison. Parce que c'est vrai que là, certaines femmes disent en gros, ouais, en gros, genre, elles nous pointent pour... Bon, on va pas dire qu'elles nous pointent pour les TV, mais c'est que genre, limite, genre, elles le tournent d'une manière... Après, je pense que c'est un peu d'ego, c'est pour ça qu'elles le tournent comme ça. Genre en mode, ouais, non, mais les filles, juste allez trouver un gars qui est bien financièrement, et comme ça, vous restez à la maison, à rien faire, etc. Bon, déjà, t'auras quand même un truc à faire, je pense, normalement. T'auras un petit peu de job. Déjà s'occuper de la maison, ben ça demande du job. S'il y a des enfants, il va falloir quand même s'occuper des enfants. Donc déjà, penser que tu vas être là sans rien faire, à regarder Netflix toute la journée, ça se voit qu'elle ne l'a jamais fait. Tu vois. On voit qu'elle part d'un truc, tu as du travail quand tu es femme au foyer. Et en plus, rester vraiment sans rien faire, imagine vraiment que c'était vrai, rien faire, à un moment donné, tu galères. De toute façon, tous les gars avec qui j'ai parlé, qui avaient des femmes comme ça au foyer, si elles faisaient vraiment rien, à un moment donné, elle te casse la tête. À un moment donné, ouais, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça, toi, t'es occupé. Ouais, la limite, t'es toujours occupé. Hein. Donc, il faut au moins qu'elle fasse quelque chose, même si elle fait des vidéos sur TikTok, qu'elle ait une occupation, qu'elle ait une passion, qu'elle fasse quelque chose. Quoi. Tu peux pas être là comme ça sans rien faire. Enfin, faut pas non plus déconner. Et deuxièmement, c'est pas tout le monde qui va avoir le fameux high value man. Hein, parce que je pense que toutes les femmes veulent le 20 à 10% des hommes, mais toutes les femmes n'auront pas le 20 à 10% des hommes. Tout simplement parce que les gars de ce standing ont des options. Et vu qu'ils ont des options, ben, ils vont choisir les meilleurs. Et vu qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent le 20 à 10% mais sans rien faire, ben non. Non, tu dois m'aimer comme je suis. Ça, c'est off. Et d'ailleurs, elles savent même pas qu'est-ce que le 10 à 20% des hommes recherchent chez une femme. De façon, d'une manière générale, qu'est-ce que les hommes recherchent chez une femme? Puisque des fois, quand tu vois des podcasts, on dit ouais, qu'est-ce que l'homme que tu veux recherche chez une femme? Genre, comment ça? Mais non, c'est moi, qu'est-ce que je veux, moi? Non, mais lui aussi, il veut des choses. Ah bon? Genre, elles sont surprises. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Parce qu'elles, elles sont promptes à faire la liste. Hein. Elle est longue, la liste de les qualités qu'a recherché l'homme. Il doit être comme ci, comme ça, marrant, charisme, avoir de l'argent. Et après, et lui, ce gars-là que tu as décrit, tu sais qu'est-ce qu'il recherche une femme? Ah ben non, il doit m'aimer comme je suis. Hein. Comment ça? Ben non. Donc non, tout le monde n'aura pas accès aux 20 à 10%, donc restez concentrés les filles. Et puis le truc aussi de, ouais, c'est l'un ou l'autre, ça veut dire, c'est où je suis femme au foyer et je peux m'occuper de ma famille, de mon homme, ou je travaille et donc du coup, non, je ne peux pas faire les deux, c'est l'un ou l'autre, quoi. Ça c'est quoi ce nouveau... C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que, genre, en fait, comme tu as un travail, maintenant, eh ben, maintenant, tu peux plus être une femme, tu peux plus être une épouse. C'est l'un ou l'autre. C'est, ah non, mais attends, maintenant, fais tout moitié-moitié. Comme je travaille maintenant, ben, c'est tout, moi, je m'occupe plus de toi. Enfin, tu fais à manger, tu fais Pizza Hut, enfin, voilà, quoi, Uber Eats, quoi. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux manger, je travaille, moi, maintenant, hein. Je vais te dire, donc, voilà, donc, maintenant, pardon. Apparemment, quand elle travaille, maintenant, ben, voilà, maintenant, c'est elle peut pas être une femme. Ça coupe, on peut plus. Donc, c'est un truc nouveau. Alors, j'ai même pas besoin de dire à l'ancien temps, machin. Tu sors juste de l'Occident, parce que c'est qu'en Occident, t'entends des trucs comme ça. Hein. Tu vas ailleurs, les femmes, elles travaillent.
que ce soit en Thaïlande, que ce soit, je sais pas, n'importe où, en Amérique latine, que ce soit tous les endroits que j'étais. Bah, les femmes, elles travaillent, contrairement à beaucoup de gens qui pensent que dans les autres pays, elles sont pauvres, elles sont là, elles attendent des étrangers. Ah, venez nous sauver, ah. Non, non, il y a des femmes, elles travaillent, tout simplement, voilà, elles travaillent. Après, évidemment, il y a des femmes qui ne travaillent pas aussi, tu vois. Mais la majorité, elles travaillent. Et quand elles rentrent, eh ben, elles s'occupent aussi de leur homme. Enfin, voilà quoi, enfin. Tu vois, elles rentrent, elles leur font à manger, elles sont contentes en fait. La question ne se pose même pas. Enfin, elles sont en mode. Enfin, déjà, les meufs qui pensent différemment, je dis, mais comment tu fais pour garder ton gars en fait? Enfin, je comprends pas, tu vois. Tu vois, on n'est plus des esclaves, ça. Ouais, bon, ok, si tu veux. Bah, à ce moment-là, bah, les gars, le gars que tu veux, en tout cas, s'il a beaucoup d'options, il choisira celle qui est la moins lazy, hein, la moins fainéante, hein, en tout cas. Parce que si c'est juste parce que tu as un travail que tout d'un coup, bah, tu veux plus t'occuper de ton gars, tu t'occupes pas de tes enfants, enfin, je comprends pas le... C'est difficile pour moi, je t'avoue que j'essaie de comprendre, d'avoir différentes perspectives pour dire, je vois ce qu'elle veut dire. Je comprends dans le délire un peu, mais je trouve un peu c'est... Je comprends un petit peu dans le délire, mais je trouve que c'est pas efficace en tout cas pour pouvoir avoir d'une part le gars que tu veux vraiment avoir, parce que c'est bien de parler sur les réseaux, hein, mais après il y a le concret dans la vie réelle, hein, quel résultat tu as réellement, et deuxièmement, pour pouvoir le garder, tu vois. Parce qu'il n'y a qu'en Occident aussi, pareil, où le schéma s'est inversé, où les femmes, elles pensent que c'est les hommes qui doivent tout faire pour les garder, à tel point où genre, soit 80%, 90% des divorces sont initiés par les femmes. Tellement, genre, elles sont en confiance, quoi. Ah, ça aussi, le féminisme vous a menti, ça aussi. Ça vous a fait croire que, genre, il n'y avait aucun problème. Parce que finalement, la manière dont les choses fonctionnaient avant, c'est-à-dire que bah, quand les femmes, elles étaient jeunes, bah, elles se mariaient, elles commençaient à avoir des enfants, et bah, ça les protégeait, en fait. Parce qu'après 30 ans, demande aux femmes qui sont au-dessus de 30 ans comment le marché du dating, c'est difficile. Demande-leur si c'est pareil que quand elles avaient 23 ans ou dans la vingtaine. Demande-leur si c'est pareil, si elle a toujours les mêmes options. Alors, des options de sexe, ouais, court terme, sûrement. Et de gars qui veulent s'engager. Donc, voilà ce que j'en pense par rapport à tout ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, c'est ouvert pour ça. Quelle que soit ton opinion. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Hein, quitter le métro, boulot, dodo, t'as ma formation offerte là. Comment créer ton business en ligne, étape par étape, je te montre ça. Tu cliques dans la description, ok, et tu auras tout ça avant de créer un hack. Regarde quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je suis à ton camp.